Kafret Amudbet Mishnah. Nashim Bamoed Me'anot. Les femmes, donc pendant Chol HaMoed, elles sont juste Me'anot. On va voir c'est quoi. C'était les pleureuses. Il y avait plusieurs cérémonies des femmes. Donc Me'anot, ça oui. Avallo Metaprot, mais elles tapaient pas des mains. On va voir c'est quoi Me'anot. Rabbi Shmuel Omer, Asmuchot Lamita Metaprot. Celles qui sont plus proches du corps, elles sont oui Metaprot, elles tapent des mains. Tout ça c'était pour être Me'orer. La tristesse. Berachet Chodashim, Bechanouka ou Bepurim, à Rosh Chodesh, Chanouka et Purim, où c'est interdit aussi d'être maspide, Me'anot ou Metaprot, là on est Me'anot et Metaprot. Bézé, Vazé, que ce soit Chol HaMoed, Chanouka, Purim ou Rosh Chodesh, Lo Mekonenot. On va voir la différence entre Me'anot et Mekonenot. Nikvar Amet, Lo Me'anot, Lo Metaprot. Une fois que le mort est enterré, c'est fini. On s'arrête. Il n'y a plus lieu de continuer à pleurer. Il est enterré. Eze ou Inouï. Alors c'est quoi Me'anot, Inouï? Chez Kulan, Onot, Ke'achat. Tout le monde en même temps. Alors on va voir quelles étaient les phrases qu'il disait. Mais c'est tout le monde en même temps. Kina, c'est quoi Mekonenot? Chez Achat, Medaberet, Vekulan, Onot, Acharia. Il y en a une qui parle, les autres elles répondent. Chez Nehemar, Ve'ulmadna, comment c'est marqué? Ve'la medna benotechem nehi ve'ishare uta kina. Donc, de là on apprend que ve'la medna benotechem nehi ve'ishare uta kina. Une femme à sa copine kina, elle dit ce qu'il faut dire kina. Aval, et là c'est la dernière parole. D'après Tosfot, c'est la dernière Mishnah de Seder Moed, et donc on finit avec une bonne parole. D'après le Rambam, après Moed Katan Yachagiga, donc ce n'est pas la dernière Mishnah de Seder Moed, mais c'est la dernière Mishnah de la Masechet. Aval, Eati Lavo, Omer, Bila Amaved, la Netzar, Omecha Hashem Elokim, Dima, Me'al Kol Panim. C'est-à-dire que Eati Lavo, il n'y aura plus de mort. Il n'y aura plus d'espédime, il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus rien, il n'y aura plus de désastre et de souffrance. Pourquoi? Et Tosfot, il explique, les Réunions expliquent. Le Chité Gibrim, pardon. Il dit que Be'etzem, Eati Lavo, il n'y aura plus de mort à l'idée micrée, accidentelle. Comme si qu'aujourd'hui ça existait. Hop. Mais il y aura juste une mort à l'idée chet. C'est-à-dire que ce ne sera que la vera qui tuera l'homme parce qu'il a fauté. Or, comme Kivan Shelo Yetzara Cholet, le Yetzara ne sera plus Cholet, la Tilavo. Donc il n'y aura plus de chet. Il n'y aura plus de mort. Comme ça, il explique le Shilte Givoué. Mayamran, donc qu'est-ce qu'elle disait, c'est pleureuse. Amara, Vaile Azla. Malheur, dommage qu'il soit parti, vaille le Khavila, on nous a repris notre Khavila, comme si que quelqu'un il te donne à garder un objet, après il vient te le reprendre, une Khavila. Donc Akadosh Baruch Hu a donné une Neshama, il a donné dans un corps, une Neshama dans un corps, il a repris sa Khavila, le corps il s'est affaissé de lui-même, parce que la Neshama a été reprise, comme un picadon. Amarava, Nashé de Shachnetziv, les femmes de Shachnetziv, Amra, Nachi, elle disait exactement ça, Vaile Azla, Vaile Khavila, Oi, celui qui est parti, Oi, à celui, à la Khavila qui nous a été prise. Et là, on commence les dictons, accrochez-vous, c'est pas facile. Amarava, Nashé de Shachnetziv, Amran, Goud Garma Mikacha, les gencives se sont affaissées. C'est-à-dire que le mort, il n'a plus de quoi mâcher la nourriture. Il n'a plus de dents. Venamte maya le antike. Et l'eau remonte le antike, le fleuve qui est le antike, c'est le nom du fleuve. C'est-à-dire que il a perdu ses gencives et maintenant l'eau remonte le long du fleuve. Quel rapport? Alors les rishonim expliquent, c'est qu'un homme, une fois qu'il est mort, il n'a plus de quoi manger. C'est-à-dire qu'il est complètement insensible à la nourriture matérielle. Et maintenant, l'eau, El Maïm et la Torah, elle remonte à la source, parce que maintenant, c'est là-haut que ça va se passer. Et donc, toute la Torah, toute l'eau qu'il a accumulée au fil des années, c'est ça qui va lui servir. C'est plus avec les, il va plus se servir de sa mâchoire, de ses dents pour manger, mais il a besoin maintenant de sa Torah pour le Gan Eden. Bamarava, Nashé Deshach Nitziv Amran, Atouf Vekasu Touré, les montagnes, recouvrez-vous. D'avoir des bar ramé ou bar ravrevé ou qu'il y a un grand qui vient vous voir et où les montagnes faites kavod qu'il y a un homme grand qui vient là-haut. L'amaravan nashen eshach netziv amran shiule itztela demilta les bachorin des shlimu zavde. Ça veut dire quoi? C'est compliqué.
le Shioule Itztela de Milta, un homme à la fin de sa vie, il n'a plus de quoi travailler, donc il n'a plus de Parnassa. Et donc, les Bar Chorin de Shlimu Zvade, celui-là étant donné qu'il a, Shlimu Zvade, il a fini tous ses sandwichs, Zvade c'est Tzedala derrière, il n'a plus rien à manger, donc finalement pour lui la mort, elle est douce. Heureusement qu'il est mort, parce que de toute façon il n'avait plus rien à manger. Bamaraba, Naché de Shach Netziv Amran, Raït, il a couru, Venafi, il est tombé à Mahavra. C'est-à-dire, il a couru toute sa vie pour gagner de l'argent. Et à la fin, on est obligé d'emprunter de l'argent, comme on avait vu que ça coûtait très cher d'enterrer les morts, pour pouvoir être enterré. Donc on voit que finalement, un homme, toute sa vie, il court après l'argent, et à la fin, il ne reste plus rien. Vamaraba, Naché de Shach Netziv Amran, Achana Tagare, Azav Zege, Mivdekou. Les commerçants, on les bodek otam, on sait s'ils sont des bons commerçants, des gens de valeur ou pas, c'est quand ils font du business. C'est là où tu vois si un homme, il y a marqué Bekoso, Bekiso, Bekasso, c'est comme ça qu'on reconnaît un homme, Bekiso. Quand tu touches à son argent, quand tu fais du business avec un homme, c'est là où tu vois sa vraie valeur. Ici c'est pareil, maintenant on va voir sa vraie valeur. Maintenant qu'il va monter là-haut, on va voir sa vraie valeur. Vamaraba, Naché de Shachnetsi Vamran, je crois que c'est le dernier. Mota Kimota, il est mort comme tout le monde, parce que la mort c'est une réalité qui concerne tout le monde. Ou Marine Khiboulaya, ça veut dire la mort, c'est normal, mais Marine Khiboulaya, les Issourim, c'est de trop. Comme si que je t'ai prêté 100 shekels. Alors c'est normal que tu me rendes 100 shekels, mais c'est pas normal que tu me rendes 110 shekels. Rachid dit les Issourim, c'est du ribit. Kadosh Baruch Hu, il reprend son dû. Mais pourquoi les Issourim? Donc Marine Khiboulaya. Tania Yarab Miromer, Tov la Lechet El Bet Avel. Il vaut mieux aller dans une maison d'endeuillé plutôt que dans une maison bête à mucheter. Ad ve'acha yiten elibo, jusqu'à ce que, il y a marqué dans le pasouk, le vivant mette sur son cœur, prenne conscience de la réalité de la vie. Dvarim shelmita, c'est dvarim shelmita, c'est-à-dire qu'ils prennent conscience qu'il faut faire attention à la mort. De yaspid, yaspidouné. Celui qui est maspid un homme, alors on sera maspid auto. De mida keneged mida. De kaver et kiverouné. Celui qui enterre un homme sera enterré. Des itan, itanouné, celui qui porte le corps, alors on le portera. Des idal, idelouné, et celui qui lève la voix dans le espèce, idelouné, on lèvera la voix aussi pour son espèce. Vikadamre, déloïdal, idelouné, il y en a qui disent l'inverse. Déloïdal, celui qui ne veut pas trop s'enorgueillir, idelouné, c'est Akadosh Baruch Hu qui le fera monter. Dirtiv, qui tov amar lecha, ale ena, que. Il faut pas vouloir gravir, vouloir monter de nous-mêmes, mais laisser faire le temps. Donc quelqu'un qui est au sec dans une goura, apparemment lui, c'est un homme pachout. Ouais, les gens de la Chevra Kadisha, c'est pas des mechoubadim, mais la Gemara dit d'Eloïdal idéloné à Kadosh Baruch Hu, c'est toi qui, c'est lui qui te mettra là-haut. Donc juste pour comprendre le pasouk, qui tov amar lecha aleena, me ashpi lecha lifne nadiv asher ha'o enecha. Donc allez, si tu es mashpil, si tu es quelqu'un qui est mashpil et datsmo devant Nadiv, Asher Aou Enecha, devant quelqu'un, alors Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui le monte. Tanou Rabbanan, Kishemitou Banav Shel Rabbi Shmuel, quand les enfants, il a perdu deux enfants, jeunes apparemment, les enfants de Rabbi Shmuel, Nichnesu Arbaz Kenim le Nachamo, en fait ils sont pas morts en même temps, et donc il y a quatre Kenim qui sont rentrés pour être Menachem Rabbi Shmuel, Rabbi Tarfon, Rabbi Yossi, Rabbi Agali, Rabbi Azar Ben Azaria et Rabbi Akiva, quatre pointures. Amar Lehem Rabbi Tarfon qui apparemment c'était le plus âgé, il dit aux autres, aux trois autres, Dehu, sachez, chez Chacham Gadalou, Rabbi Shmuel c'est pas n'importe qui. Ou Baki Bagadot, il connaît tout. Ali Kanes Echan Merkem et Toch Divre Chavero. Commencez pas à faire du plagiat, c'est-à-dire que ce qu'il va dire lui, faut pas que tu le répètes. On va tous dire quelque chose, on va essayer d'être Menachem Oto, faut pas commencer de rentrer dans les paroles de l'autre, pas de répétition. Amar Rabbi Akiva Vania Charon. Je passerai en dernier, Kilou. Je sais que j'aurai toujours quelque chose à dire. Patar Rabbi Shmuel. Rabbi Shmuel, c'est le premier. De là, on apprend que c'est le Havel qui doit toujours parler en premier. Il ne faut pas nous commencer à parler au Havel. Le Havel, il doit t'adresser la parole et ensuite, tu essayes de Menachem Oto. Entre parenthèses, les Acharonim sont médaillés avec de la Gemara qu'on va voir tout de suite. Ce n'est pas juste avec le Minachamim Tenuchamu qu'on est des Chovas de Menachem Avelim. Et bien, il faut lui parler, essayer d'être Menachem Oto. C'est difficile, mais. C'est comme ça que c'est marqué. Patar Rabbi Shmuel Vamar. Rabbi Shmuel, il a commencé en disant Rabou Avonotav, mes fautes sont nombreuses. Takfu Avelav, et j'ai eu deux Avelout successives. Itriach Rabotav, par Rishona Vishnia, et j'ai fatigué,
j'ai dû faire déplacer mes rabotables une et deux fois. Nena Rabbi Tarfon Vamar Vachechem Kol Bet Israël Ivku et Asrefa. Quand les enfants de Aaron à Cohen sont morts, il y a marqué Vachechem Kol Bet Israël. Tout le Bet Israël Ivku et Asrefa. Valo de Varim Kalachomer. Oman Nadav Aviou aussi déjà avec Nadav Aviou. Shelo Asu et la mitzvah achat. Il y en a qui disent ça veut dire quoi mitzvah achat. Le jour de leur mort, ils n'avaient fait qu'une seule mitzvah. Ou alors, on parle de mitzvah les rabbim, une mitzvah qu'on ne fait pas pour nous-mêmes et pour le Tzorkei Rabbim. Eux, ils n'en avaient fait qu'une, parce qu'ils avaient donné le sang à Aaron, je crois. Kertiv, écrivez-vous, Ben Aaron et Adam, Elav. Car, il y a marqué, Ve'acherem kol bet Israël, Ifku, et Asrefazot. Si déjà, ceux qui ont fait une seule mitzvah, tout le monde les pleure, Banav, Shel Rabbi Shmuel, Achat Kama Vekama, qu'eux, ils étaient marbitzé Torah et ils faisaient des mitzvot à longueur de journée, les Tzorkei Rabbim. Maïdavar, pardon. Néna Rabbi aussi, deuxième à parler. Néna Rabbi aussi, Agali Vamar. Vesafdou le col Israël, Vekavrou Oto. Que tous les béné Israël l'ont été maspid Oto, ils l'ont enterré. Valodvarim Kalachomer, Ouma Avia ben Yero, on parle de Avia. Avia, c'est le fils de Yerovoam ben Nebat, qui était Choté au Marti et Arabim avec la Vodazara, pardon. Avia, c'est un. Tu vois bien qu'il a fait quelque chose de bien, hein. Savdou Kol, c'est pas vrai. Pourquoi tu dis ça? T'as dit qu'il Non, j'ai dit Yerovoam ben Nebat, il était frotté au marty. Abia, apparemment, c'était pas, c'était un gentil garçon. Il est mort. Et il y a marqué, mais Savdou le Kol Israël, Kavro Oto, Valodvarim Kalor Homer. Donc ça, c'est l'Espèd, la Nechama de Rabbi Sayeli. Ouma, Abia ben Yerovoam, Shiloh, Asaïla, Davar Echad, Tom. Lui, il a fait qu'une seule mitzvah. Peut-être que Bébet, c'était sa seule mitzvah dans la vie, dire Tivbe. Ya'an Nimtsa Bodavar Tov. J'ai trouvé qu'une seule bonne chose, on va voir c'était quoi. Car tout le Bet Israël a été maspid auto. Banav, chez le Rabbi Shmuel, Achat Kama Vekama. Maïdavartov, qu'est-ce que c'était sa bonne action? Avia, Rabbi Zera, et Rabbi Chana, Barpapa, Marloket, Chadamar, Chebitel, Mishmarto, Vala, la Regel. C'est-à-dire que le père, Rayorova, Menebat, quand il y a eu le pilou, il y a eu Melech Israël et Melech Yehuda, il a interdit au Bet Israël de faire aller à la Regel. Lui, il a été à l'encontre de la parole de son père, il est monté pour faire aller à la Regel contre l'ordre du roi, donc. Vechadamar, chez Bitel par des Saot, chez Oshiv Yerovam, Aviv, Aladrachim. Et notre, ils disent parce que, il y avait des Chomrim qui empêchaient les gens de faire aller à la Regel, et lui, quand c'était son tour, il a laissé passer tout le monde. Chez Yalou, Israël, la Regel. Donc ça, c'était Davartov. Nena Rabbi Lazar ben Azaria Vamar, Beshalom Tamut, ou Bemisrefot, Avotecha, Amelachim, Arishonim, Achar Ayou, Lefanecha, Ken Isrefou, Lecha. On parle de Tzidkiaou Amelech. Tzidkiaou Amelech est marqué, Beshalom Tamut, tu mourras. En paix, ou bien misrefot avotecha melachim, et tout tes biens, tous les kelim du roi, on avait l'habitude de les brûler, parce que c'est pas kavod que quelqu'un d'autre s'en serve. Et donc la Gemara dit, valodvarim kalachomer, omat, ki o melech Yehuda shelo asa ela mitzvah achat. C'était quoi la mitzvah? She'ela Yirmiya minatit. Yirmiya, ou un avis, il a été jeté dans un trou avec de la boue, parce qu'il avait prédit que le Beit HaMikdash allait être détruit, et donc lui, il a fait remonter. Car, si déjà lui, alors on voit que Bemet, Beshalom Tamut, Banav, Shel Rabbi Shmuel, Alachat Kama Vekama, Kol Sheken. Nena Rabbi Akiva, dernier à parler, Vamar, on a vu déjà ce pasouk, Bayom Ahou, on parle, Léati Lavo, Igdal Amispez, Beyerushalayim, Kemispad Adadrimon. Alors il y en a qui disent que c'est l'espèce sur tous les morts qui vont tomber pendant la guerre de Gog ou Magog. Il y en a qui disent que c'est le Mashiach Ben Yosef, l'espèce sur Mashiach Ben Yosef, Bebikat Megido. Vamar Rabbi Yosef, il m'a l'est argoumé. C'est pas qu'on avait l'explication de ce pasouk, Deaikra Loave Adana, on n'aurait pas pu comprendre ce pasouk, il est incompréhensible. Pourquoi? Parce que Adad Rimon, il n'a jamais été Bebikat Megido. Alors qu'est-ce que c'est ce pasouk? Maïk Amar, alors qu'est-ce qu'il veut dire? Beidana, ou à ce moment-là, Yatilavo, Isge Mispeda Beyerushalayim. Il y aura un Isped à Yerushalayim qui sera aussi grand et même plus grand que Mispeda Deachav. Apparemment, on réunira les deux Isped. Le premier, c'est le Isped Deachav bar Omri. Achav, qui était Melech Israël, des Kataliate, Adad Rimon, Bar Tavrimon. Adad Rimon, c'était Melech Goy qui a tué Achav à la guerre. Et donc, il y a eu un grand Esped, Ok Misped, et en plus de celui-là, il y aura l'Esped de Yoshiaou, Bar Amon, des Kataliate, Paro Chagira, Paro Nehe, il s'appelait, il était handicapé, qui s'est fait, qui a tué donc Yoshiaou, les deux rois qui se sont fait tuer par des rois non juifs. Et ça, c'était Bebikat Megiddo. Valot Varim Kal Vachomer, Uma Achav Melech Israël, Shelo Asa Ela Davar Echad. Achav, c'était pas un roi tzadik. Il a fait une bonne chose, voilà ce qu'il a mérité. Dirti, Ve'amelech Hayam Ahmad Bamer Kava,
Nochar Aram Kach. Qu'est-ce qu'il a fait Achav? Il a tenu le coup. Alors, il était en guerre, il s'est pris une flèche dans le dos apparemment, et il a fait comme si rien n'était. On lui a enlevé la flèche, il a continué à rester debout pour que le peuple continue à se battre. Et ça, c'était ça, son Masetov. Et on voit qu'il y a eu un esped énorme, et c'est de ce esped-là qu'on va s'inspirer dans les Nouveaux pour dire que ce sera le esped à la Tilavo. Banav, chez Rabbi Shmuel, à Achat Kama et Kama, Kol Sheken, des enfants de Rabbi Shmuel. Alors, c'est Marc Loquette. Il y en a qui disent les Tzorki Rabim ou Beyom Motam. Mais pas Bachaim Shelaim. Amarle Rabba le Rabba Bar Mari, Ktive Betzikiaou, il y a marqué sur, au sujet de Tzikiaou Ameler, Beshalom Tamut, il mourra en paix. Et pourtant, il y a marqué Urti Ve Etene Tzikiaou hiver, il a été aveuglé, il a été traîné en Babel. Alors, où elle est sa mort en paix? Amarle Achia Mar Rabbi Yochanan, Shemet Nebuchadnezzar Biyamam. Nebuchadnezzar est mort quand il était dans les geôles babyloniennes, Tzikiaou. Et à la mort de Nebuchadnezzar, il a été libéré. Donc, Bemet, il est mort en paix. L'amar Rava, les Rabba Bar Mari, Ktiv Bebe Yoshiaou, sur Yeshiaou qui est mort aussi, la reine Ineni Osifra à la Votecha, Vene Savta El Vuratecha Beshalom. Alors on voit que Yoshiaou, il est mort Beshalom. Et pourtant, Ortiv Ayoru Ayorim le Melech Yoshiaou, il a été transpercé par les archers, comme ça on dit, les archers. Vamar Abiuda Amarav, Shehasaou Kekvara, il était à la guerre Yoshiaou, et il est devenu comme une passoire tellement il s'est fait transpercer par les flèches. Alors on ne peut pas dire qu'il est mort Beshalom. Alors, où est cette mort, Béchalom? Amarle Achia Amar Rabbi Yochanan, c'est quoi le shalom? Chez l'Ochara Betamik Dash Biyamam. Il n'a pas vu le Khurban Abayi. C'est ça le shalom de Yoshiaou. Amar Rabbi Yochanan, En Menachamin Rashaïn, ceux qui sont Menachem, le Tzibour qui viennent être Menachem Abayim, En Menachamin Rashaïn, le Mar Davar, Achiftach Avel, tant que le Avel n'a pas ouvert la bouche, et Neymar, Acharekhen, Patach Yov et Piou. Donc Yov a commencé à parler, c'était le Avel. Veada, ensuite, Vayan Eliphaz Atemani, et ensuite Eliphaz Atemani a parlé. Amar Rabbi Abahu, Minayin les Avel, Shemesav Berosh, il s'assoit toujours en bout de table, Avel. Shenemar, Efrar Darkam Veachev Rosh, Veshkon Kemelech Begdoud, Kacher Avelim, Yenachem. Donc la Gemara dit, voilà que le Avel, il est assis Berosh, à la tête de la table. La Gemara dit, mais pas du tout. Il est marqué Kacher Avelim, Yenachem. Machma, qu'on parle de qui? De ceux qui sont Menachem, les Avelim. Donc c'est le Menachem qui est assis Berosh, pas le Avel. On a dit Yenachem Acharine Mashma Yenachem, c'est les autres, c'est pas le Havel. Amar Rav Nachman Bar Yitzchak Yenachem Ktiv. Faut pas le lire Yenachem, mais là le lire Yenachem, celui qui est Mitnachem, on parle du Havel. Dans Zotra Amar Me'acha Vesar Mirzach Suruchim. Mirzach, c'est qui Mirzach? C'est le Havel. Na c'est Sar les Suruchim, c'est devenu le Sar, le prince les Suruchim de ceux qui viennent le voir et participer à sa Lashon Rabim Suruchim Rashidim. Amar Rabbi Chama Bar Chanina, Minayin le Chatan Shemesev Berosh, pareil, le Chatan il doit être en bout de table. Shenehemar, Ke Chatan Yichaen Pe'er. Donc on voit que le Chatan Yichaen, il est comme un Kohen. Ma Kohen Berosh, le Kohen il prend toujours la première bracha, il prend toujours la première alia, il prend toujours le premier morceau. Af Chatan Berosh, le Chatan aussi Berosh. Ve Kohen Goufe Minalen, parce qu'on sait que le Kohen il est servi en premier. Detana Rabbi Shmuel, Ve Kidashto, Le Chol Davar Shibigdusha. L'Iftoach Rishon ou le Varech Rishon, Vilitol Mana Yafer Rishon. Donc on voit que le Kohen, l'école d'Avar Shemikdusha, il est Varech Rishon, il est Potea Rishon, et même les Litol Mana Yafer Rishon. C'est lui qui prend la part en premier. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si demain je suis avec un copain qui est Kohen et qu'on doit partager la pizza, on partage et après il choisit la part qu'il veut. Pas qu'il prend ce qu'il veut. On fait un partage, mais après c'est lui qui choisit en premier. Amar Rabbi Chanina, Kaché, Yetziat Neshama Minagouf. Donc, tout à l'heure, on a vu que c'était comme quand on détache le cheveu d'un bol de lait. Là, on va voir que c'est plus compliqué que ça. Ça dépend du bonhomme. Ça dépend. Atkama la neshama, elle est accrochée au gouf. Kaché yetziat neshama minagouf, ke tzipori befi aveshet. C'est quoi tzipori befi aveshet? C'est une corde à laquelle on a fait un nœud. Et pour la... après, donc, j'ai fait passer la corde dans un trou. Par exemple, c'est sur un bateau. Généralement, pour éviter que les cordes elles sortent des amarrages, etc., elles sont attachées avec des nœuds. Maintenant, on va attirer la corde. Le nœud, il est fait justement pour ne pas l'attirer. C'est exactement ça. La neshama qu'on tire d'un gouffre, c'est comme une corde qui révèle chez Eshbo Kesher ou Mushral Benekev chez Betoran Sfina. Donc, Toran Sfina, j'imagine que c'est dans la coque de du Sfina. Et donc, c'est très difficile à sortir. Rabbi Yochanan Amar, Kiftouré Befi Veshet, lui dit,
comme les, une grosse corde, hein, une, je crois, on a vu comment ça s'appelle, les grosses cordes de bateau, que à l'époque, c'est un rachis extraordinaire dans Brachot, rachis dit, il y a un endroit dans l'océan, chez Yev Charles et Barzel, la Vorbaen. C'est dit rachis. Rachis Brachot d'Afret. Il dit, il savait à l'époque. Et donc, pour pouvoir passer là-bas, il fallait que le bateau ne soit pas constitué de fer, alors il était attaché avec des cordes. Ces cordes-là, elles devaient être ultra solides et ultra serrées. Il dit, c'est comme ça. Les Yetziat Neshama, c'est comme quand on veut faire sortir cette corde-là. Attaché avec des cordes, et les cordes étaient attachées. Du bois. Il y avait, le bateau, il était constitué que de bois, et pour que le bois tienne et qu'il soit solide, au lieu de mettre des clous et du fer, ils attachaient avec des cordes. Le rachat, j'ai dit, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, ils ne savent pas pourquoi. J'ai écrit là-bas, pourquoi pas passer. Il dit, au fond de l'océan, il y a un super gros champ magnétique qui attire tous les trucs en bas. Ouais. Jusqu'aujourd'hui, je sais pas, ils étaient en dessous. Ouais. Vous avez ça, moi? D'Afret, Brachot. Ça serait une des explications du tremblement de Bermude. Oui, mais ils le disent, hein, que le champ magnétique tremble du Bermude, il est... Ils ne savent pas pourquoi. Non, non, ils disparaissent les avions, les bateaux disparaissent, on ne sait pas pourquoi. Ils savent très bien que c'est à cause du champ magnétique, puisqu'ils voient que les appareils, ils jonctent quand ils arrivent là-bas. Ils n'ont pas les résultats des appareils, après. Peut-être c'est le rachis qui parle, tout ça. C'est en gros, on parle de rachis. Ah, bah c'est sûr que ça doit être ça. Vaïta, Vama Rabbi Levi bar Chaita, Aniftar Minamet, quelqu'un qui se sépare d'un mort, donc quand on dit au revoir à un mort qui va être enterré, Lo Yomar Lo Lech Le Shalom, on ne lui dit pas Lech Le Shalom, va pour la paix, non, il n'a plus rien à chercher, Lech Le Shalom, et là Lech Be Shalom, va en paix. Aniftar Minachai, mais quand par contre on se sépare de quelqu'un de vivant, Lo Yomar Lo Lech Be Shalom, et là Lech Le Shalom. C'est-à-dire que le Chai, lui, va chercher la paix dans sa démarche, alors que le mort, lui, il a déjà trouvé la paix. L'air béchalom. Aniftar minamet lo yomarlo lo yomarlo l'air béchalom, et là, l'air béchalom. Chez Neymar, ve'ata tavo el avotecha béchalom. Tu viendras chez tes pères en paix. Aniftar minachai lo yomarlo l'air béchalom, et là, l'air léchalom. Chari David shamar le avchalom l'air béchalom alach enitla. C'est-à-dire qu'il a été pendu. David Amelech, il n'a pas dit l'air léchalom à son fils, et Bémet, il est mort. Donc on voit qu'il ne faut pas dire l'air béchalom, il faut dire l'air léchalom quand on dit quelque chose quand on dit ça à quelqu'un de vivant. Le ran, très important, il dit que Chachamim n'ont parlé que dans un cas où Bémet, on fait attention à ce qu'on dit. C'est-à-dire qu'on est makpid toujours de dire à un vivant l'air léchalom et à un mort l'air béchalom. Mais si on n'a pas cette habitude et on dit l'air béchalom, l'air léchalom, en l'akpid, en adabar mazik lo klum. C'est-à-dire que là, sous-entendu, Loran, il dit que David Améler, il a fait ça avec Kavana. Sinon, ça ne serait jamais dû être Mazik. Pourquoi il voulait dire ce Mizak ? Itro, chené. Donc, V. Alar, Venitla. Il a été pendu, donc il a été attaché par sa chevelure à l'arbre. Et la Gemara dit Itro, Shamar le Moshe, Lech le Shalom, Alar, Vitzliar. Par contre, Itro, il a dit à son gendre, Moshe Rabbeinu, Lech le Shalom. Et on voit que Moshe Rabbeinu, c'est devenu. Ce qu'il est devenu. Amar Rabbi Levi, Kol Yotzi mi Bet Haknesset, le Bet Hamidrash, ou mi Bet Hamidrash Bet Haknesset, celui qui vient d'un Bet Hamidrash ou du Bet Haknesset de la prière à la Torah, Zoré ou Mekabel Pnei Shechina, Shneimar Yilchu Michael Chayil, celui qui passe d'une Chayil Chayil d'un endroit à un autre de Gdusha, Yirae El Elokim Betzion, il verra la présence divine à Yerushalayim. Donc c'est mi Bet Haknesset, le Bet Hamidrash ou l'inverse. Amara priya barashi amarab talmidei chachamim en lahem menucha afilu l'olam haba, et talmidei chachamim n'ont jamais de menucha même baolam haba, sheneimar ilchu mechayi el chayi, donc de ce monde si à ce monde là-haut, donc c'est, ils sont pareils, mechayi el chayi, les deux, il n'y a pas de menucha, yirae el elokim betzion, quand on découvre la présence divine dans l'olam haba. Adran alach yulu megalchin usnikala masechet moed katan.